Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui j'ai fait des petits achats chez Primark. Je vous montre. Non, pas du tout. Les deux sacs. C'est. En plus je voulais vous le montrer parce que c'est taille historique, trop beau. J'en ai deux comme ça. Bon, j'ai des vêtements et j'ai des cacailles. Du coup, je vais commencer tout de suite par des vêtements. Bon, c'est sans intérêt, c'est pas trop de. C'est des vêtements que j'avais envie de me prendre. Une robe de nuit, tout simple, classique. Voilà. Je vous montre de plus haut. Voilà. Plus simple, avec des grandes manches. J'ai trouvé ça joli et voilà. Du coup, je l'ai pris. Voilà. Après, dans le petit sac. Ça, c'est mon téléphone. J'ai une petite trousse comme si avec plein de stitch. J'ai trouvé trop mignon. Je pense que ça c'était cassé. Non, j'ai trouvé tout mignon. Tire les papiers, une petite trousse simple. Je crois que je vais mettre des trucs dedans. Je sais pas encore quoi, mais je vais trouver. Après, j'ai acheté des petits. C'est transparent, je sais pas si vous allez le voir. Des élastiques transparents comme bracelet, comme on met maintenant dans les cheveux, et je voulais essayer. Du coup c'est 1,50€. Du coup je me suis pris ça pour essayer. Voilà. Après celui-ci, j'ai flashé sur un t-shirt Toy Story de la bergère comme ceci. Regardez qu'elle est belle. Bon, ce qui est écrit, je ne sais pas du tout ce qui est marqué. Mais je la trouve trop mignonne. Voilà. Et il était trop beau. Je n'ai pas hésité de le prendre. Après, j'en ai trouvé un autre. Toujours Toy Story comme ceci. Je vous montre de plus près. Voilà. Un Toy Story dessus. J'adore. Il est trop beau. Trop trop beau. J'adore. Après, je me suis trouvé un petit pyjama. C'était un short avec tous des petits palmiers. Très kawaii. Très couleur flashy pour cet été. Et avec petit stitch comme ceci. Il est trop beau avec Lilo. J'adore. Il est trop beau. Et c'est des fines bretelles comme ceci. Voilà. Deux petites bretelles, je trouvais ça trop kawaii. Pourquoi il va faire très chaud pour la maison ou le dodo. Après, je me suis trouvé un truc plus pour robe de nuit aussi. Une plus avec tous des petits cœurs dessus, de la dentelle. Elle est très belle. Voilà. Elle est longue avec de la dentelle juste dans le fond. Je trouvais ça joli aussi. Et en plus le prix n'était pas cher. Du coup je n'ai pas hésité. Après j'ai trouvé un mug. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir bien dessus. C'est toutes des têtes de Minnie et Mickey. Comme ça, rose. Je trouvais ça bien. Parce que quand je viens au PC, c'est vrai que je retire le papier. En plus il y a un élastique dessus pour bien le tenir quand je vais au PC pour pas renverser sur mon bureau. Et voilà, c'est un petit contenu tout juste pour moi quand je suis au PC avoir à boire. Voilà. Après j'ai une petite lavette de poupée LOL comme ceci. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Regardez, on va ouvrir ça avec vous. Je chope mes petits ciseaux qui sont juste là à côté. Bon, j'essaie de ne pas couper dans la lavette. Qui vient, moi, petite lavette. Bon, maintenant, je ne sais pas si je vais savoir l'ouvrir. Comme il faut la mouiller là, à la base. Ouais, il faut la mouiller. Du coup, je ne saurais peut-être pas vous la montrer. Ah, si. Si. Voici la poupée LOL en petite lavette.
Mais c'est trop mignon. J'en ai déjà vu. J'avais envie de prendre une. Je crois que j'en ai deux. Voilà. Voilà. Et alors, pour le dernier... Enfin, pour le premier sac, il est vide. Oui, c'était beaucoup de bibles. J'ai trouvé ça. Toy Story. Aussi, mais je sais pas. Voilà. Et à Planète. Du coup, je vais ouvrir. Hop. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Je chope mes plus grands ciseaux, ce sera mieux. Hop. Je retire les petits. Du coup, j'en ai une blanche avec des petits aliens fusées. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ceci. Voici. J'ai trouvé ça trop bien. Je fais les essuyer à vaisselle. Je pense que je vais les utiliser pour l'essuie-main. Pour la salle de bain et la cuisine. Parce que ça, c'est toujours pratique quand elles sont petites. Et la deuxième, c'est celle qui est toute noire, plus simple. Je pense que je mettrai plus celle-ci en cuisine pour faire moins de saleté avec Pizza Planète. Juste là au bord. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Bon, on va reculer ça. Je veux mon deuxième sac. Il est un petit peu plus rempli. Bon, ça j'ai pas acheté chez ça, j'étais chez Club qui était juste à côté. Je me suis pris trois petits marqueurs fluo comme ceci qui fait un peu pinceau, un jaune en orange et un jaune en orange et un vert pour le bureau. J'ai toujours Primark, j'ai trouvé Marie. Voilà, c'est un petit stylo, je vais l'ouvrir. Et j'ai trouvé à 2 euros petit Marie comme ceci. Et c'est un Bic. J'ai déjà retiré le plastique qu'il y avait autour. Parce que j'ai voulu l'essayer avant. Je vais le remettre sur le bureau parce qu'il va aller sur le bureau. Après j'étais chez Club. Je me suis repris des marque-pages à colorier soi-même de Disney. Et j'ai pris Hakuna Matata. Hakuna Matata. Je ne l'ai pas encore vu non plus. Donc je vais ouvrir ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Avec les autres, j'aurais plus facile. C'est des plus petits. Des plus petits. Voilà. Je l'avais dit, j'aurais plus facile. Je vais vous en montrer un ou deux comme petit dessin. Si il veut bien s'ouvrir, viens à moi. Les plastiques qu'ils mettent autour. Alors je suis d'accord pour l'écologie, mais les plastiques, il y en a toujours autant. Et c'est chiant. Ils savent pas faire autrement, non? Hop. 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 Alors. Oh oui, les hyènes, regardez celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Tous les hyènes, j'adore. Après, on a du Alice. Parce que vous allez voir du Alice. Ça je vois pas. Ah, c'est dans Notre-Dame. Les comment ça s'appelle encore, je ne sais plus. Les gargouilles. La petite sirène. Voilà. Ce sera à calories d'ici quelques jours, je pense. Après. Ah. Ça, j'hésitais à le prendre, mais après je l'ai pris. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, parce que je pense pas qu'on sait bien l'utiliser, mais enfin, soit on verra bien. C'est fourchette en tasse. Je le trouvais trop mignon. Je l'avais vu en convention, il y avait des personnes qui le vendaient, mais plus cher que ça. Du coup, je n'ai pas hésité de le prendre ici. Ça vaut la peine pour le prix. En convention, c'était 8 euros, c'était 15 euros et j'ai payé 7 euros. Ouh, j'ai failli faire tomber. Logiquement, on met son biscuit là
est là pour boire. Voilà. Et il est beau, hein. J'aime bien. Et il est marqué plusieurs planètes là derrière. Je trouve ça très beau. Je pense que je vais peut-être le mettre à mon bureau comme ça pour faire porte-bic. Ouais, je pense que je vais faire ça avec. Après, oh, j'ai acheté un t-shirt à mon chéri qui ne l'a pas encore vu parce qu'il travaille. Parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Et j'ai trouvé le t-shirt Pikachu. Regardez qu'il est beau. Il est beau. Je sais pas si ça va lui plaire. Si ça lui plaît pas, c'est pour moi. Pas grave. Voilà. Après, je me suis pris encore une petite robe de nuit noire comme l'autre, avec des petits cœurs. J'aime bien cette robe de nuit. Après, j'ai repris le même que je vous ai montré il y a 3-4 minutes. J'essaie de retirer l'emballage en même temps que je parle. C'est marque-page. Voilà, celui-là était plus facile. De Mickey. Regardez ça, qui est beau, le papier au-dessus. Et du coup, on voit Mickey, là, à colorier. C'est tous les amis Mickey, en fait. Voilà. Oh, j'aime bien celui-là. Le ballon. Je sais pas si vous avez bien à le voir. Mickey, là, un ballon et Mickey mini dedans. Avec plein de petits détails. Je trouve ça trop chouette. J'adore. Voilà. Comme ça, je finis ma collection de tout ce que j'ai déjà, qui sont juste là derrière. Et celui que je n'avais pas. Les chèvres merveilleux. Voilà, c'est la petite sirène qu'on voit dessus. C'est vrai que j'aime bien faire mes marque-pages comme je lis quand même pas mal. Je marque une page moi-même et je change. Oh, regardez celui-là, Mulan. Il est très beau, Mulan. Après, on a Daisy. Enfin, je vous en montre que deux, trois. Le lapin blanc. Hercule, ça sera chouette de le faire. Fleur, non, Bambi. Encore Hercule, bien sûr, je tombe sur des pages. Voilà. Je vais vous montrer une dernière. Oh, regardez qui j'ai trouvé, Baymax. Oh, il est trop beau, je crois que je vais le faire. Cela me tente bien. Voilà. Après, j'ai trouvé une petite pochette. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il a abîmé. Mais tant pis. J'ai trouvé une petite pochette. Elle donne fort. Elle est rouge, mais elle est orange. Je trouvais ça pour mettre mes papiers dedans. J'aime pas les portefeuilles. Du coup, c'est un petit truc à bordel. Je crois que je vais l'utiliser tout de suite. Faire mettre une de mes cartes et l'autre avec mes billets. Après, je crois que c'est ça qui l'a abîmé. J'ai trouvé des petites boucles d'oreilles, 3 paires pour 3 euros de Toy Story. Du coup, je vous montre. Là, on a, s'il veut bien, Toy Story. Là, on a le petit étoile de shérif. Et l'autre, c'est juste 2 petits brillants tout bêtes comme ça. Mais au moins je pourrais changer mes boucles d'oreilles plus souvent. Voilà. Et ceci, je ne sais pas si vous allez bien les voir parce qu'ils sont tout petits. C'est une tête de Mickey, de Mini et Mini avec un brillant. Je vais essayer de vous les montrer quand même. C'est vrai que je ne sais pas si on voit vraiment bien. Voilà, un petit peu mieux. Je trouvais ça trop chouette. Et du coup, je les ai pris. Voilà. Après, je me suis pris 3 petits cahiers de Marie Stocha. Il est trop beau. J'adore. Il y en a 3 dedans. Je dis pour mettre mes petites vidéos ou mes petites pensées. Du coup, hop, ça c'est juste le descriptif. On a un tout plein de petits chats Marie. Voilà. Celui-là, je sais pas s'il va bien faire à la caméra, mais il est tout gris. J'aime bien la couleur. C'est gris avec du rose dedans, c'est chouette.
et l'autre c'est le tout blanc qu'on voyait avec le petit, avec la petite Marie. Je trouve ça trop chou. Je pourrais utiliser mon bic dedans comme ça. Après j'ai l'autre petite serviette de LOL. Hop, je vous la montre. Je ne défais pas celle-ci. Après j'ai craqué. Ça j'aurais pas dû, mais j'ai vu qu'il s'ouvrait. On essaie de le nettoyer, du coup j'ai pas hésité, je les utilise mes autres. Et j'ai craqué sur la lienne, un coussin à lienne, parce que celui-ci est quand même pas donné, quand même un petit peu plus cher que tout ce que j'ai acheté, mais et j'avais trop envie, il était trop beau. J'ai pas encore de pop de la lienne, mais rien du tout, sauf le t-shirt que j'ai eu dans la box. Mais et je trouvais chaud avec. Oh, je vais bientôt aller le voir. Et la dernière chose que j'ai craqué, mais craqué, j'ai craqué. Je vais peut-être même l'utiliser tantôt, comme je vais aller voir Toy Story. Je ne savais plus, j'ai perdu ma tête. C'est la gourde du chat Shire. On voit pas trop bien avec toutes les petites paillettes dedans. Je vais la remplir d'eau comme ça. Je pourrais aller avec au cinéma. Voilà. Je trouve ça chouette. Comme ça, j'aurais pas besoin d'acheter là-bas. Parce que c'est vrai que ça coûte trop cher. Trop cher. Ça, c'est quoi mon téléphone qui m'embête? Et je vous remonte le sac qui est vide maintenant. J'ai même pas combien je l'ai payé, 3 euros le sac, pour pas acheter, pour avoir le sac papier de Primark. Je préférais prendre ces sacs-ci, 3 euros, mais c'est toujours pratique pour les utiliser quand on fait les courses. Je crois que je vais les utiliser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel article vous avez préféré. J'ai tout préféré bien sûr, parce que c'est moi qui les ai achetés. Mais j'ai une petite préférence pour le coussin. Voilà, que je vais utiliser pour mettre dans mon dôme pour quand je suis au PC. C'est vrai que c'est la chaise gaming, mais moi j'ai besoin d'un truc dans mon dôme pour être mieux. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel article vous a préféré. Fallait que je tousse. Désolée, dites-moi en commentaire. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De liker, de partager. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.